Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, ouverture du calendrier de l'Avent, jour numéro 9. Là, à la base, je me suis dit, oh, ça pourrait être un 6, mais en fin de compte, c'est le 9. Parce que j'ai regardé la pochette, et puis voilà, et puis j'ai regardé les autres. Donc, comme d'hab, je pré-ouvre déjà, parce que des fois, c'est un petit peu compliqué. Donc, je pré-ouvre déjà pour que ce soit plus facile. Le moment de la vidéo, parce que je fais tout à une main, mais que le trépied est dans mon atelier. Donc là, c'est le calendrier de la fée du scrap. Donc il y a trois petits sapins sublimes. Donc hier soir, je suis descendue quelques minutes dans, enfin quelques minutes, une bonne demi-heure dans mon atelier, et j'ai préparé quelques petits fonds. Donc je pense que ça va pouvoir y contribuer. Et là, au niveau de chez Scrap Didi, je vais essayer de pas tout arracher comme d'hab. Parce qu'apparemment, j'en aurai encore besoin. Donc voilà. Et là, il n'y a rien. La blague. Ah bah si. La blague, il n'y avait rien. On a deux godets d'aquarelle. Safran et pêche. Aquarelle artisanale. Je n'en avais pas des aquarelles artisanales, mais je suis fan d'aquarelle et j'aime beaucoup l'aquarelle. J'ai déjà quelques palettes de chez Prima. J'en ai trois de chez Prima. J'ai une petite de Winston et Newton et les feutres aquarellables, etc. Donc, niveau aquarelle, j'aime bien. Donc, à tester également. Bon, il faut que je me booste un petit peu en ce moment, mais bon, après, voilà, ça va le faire. Excusez-moi. Toujours cette vilaine crève. Comme pour tout le monde, hein. Beaucoup, beaucoup de monde autour sont malades, donc voilà. Donc, j'ai hâte de pouvoir tester et je vais vous dire à demain pour une nouvelle vidéo du jour numéro 10. Allez, sur ce, bonne journée, au revoir.